Eh bien bonjour tout le monde, c'est Limikoupa et aujourd'hui on démarre l'étage 6 de Splatoon 3 Tour de l'Horde. Eh ben on est étage double zone. Oh merde, ça va être chiant. Oh ça va être chiant, j'en ai marre. Quoi? Il y a deux zones cette fois? Faudra les capturer toutes les deux j'imagine. Il y a des fragments de disques pour le drone là-bas. Rassemblez-en en trois et vous pourrez faire souffler une tempête sonore sur l'ennemi. Aucune idée de ce que c'est, mais le nom me plaît. Essayons d'en déclencher une nuit. On a deux puces chromatiques portées principales. Je crois qu'il faudrait bien ça pour défendre notre territoire. J'ai rien compris. Wouh! Ah d'accord, donc on peut accélérer le truc. À cet étage, tu vas devoir ancrer les deux zones. Ah. Hop, bon bah c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Tant mieux. Après là je pense que c'est fait exprès que ce soit ultra simple, comme ça au moins après. Bref. Rien ne nous arrête, allez on continue sur cette lancée directe au sommet. Tiens, intéressant. Tu peux choisir ton objectif au prochain étage avec une puce chromatique différente à la clé. Ainsi que des difficultés différentes. Bon, c'est toi qui vas te jeter dans la mêlée lui, tu choisis quoi? Bah vous me connaissez! J'hésite. En vrai, j'ai envie de prendre ça, mais j'hésite. Non, on va prendre ça. Plafond du combo chance. Augmente le plafond du combo. Non, on va prendre ça, c'est déjà pas mal. Allez, on va prendre Louis. Étage évasion. Ils sortent d'où ces affreux-là? C'est aussi des squelicailles, des poissons. Oh putain, des poissons. Il suffit d'en vaincre 3 pour revenir à bout de l'étage. Mais c'est marrant, ils sont montés sur roue. Ça va pas être la tarte de les choper ceux-là. Bon, lui et moi, on en a vu d'autres. À l'assaut! Ah ouais, je peux vraiment accélérer si j'en ai envie. Et merde. Bah alors les merdes. Ah oui, on est avec 3, c'est vrai. Ah, c'est... crotte. Bon, bah voilà. Toujours pas de Coralie à l'horizon. J'espère qu'elle va bien. Elle avait l'air un peu au bout du rouleau ces temps-ci. Alors certes, on doit finir cette tournée mondiale, mais après, je lui ai promis de nous trouver un coin tranquille ou passer des petites vacances, alors il faut la sauver. On dirait que Coralie a su bien s'entourer après avoir recouvré la liberté. Mais il s'agit de Coralie, ça ne m'étonne pas d'elle. Bah tu sais ce qu'on dit, personne ne te connaît aussi bien que les gens avec qui t'as grandi. Et en même temps, Coralie a quand même dû apprendre la langue en débarquant dans la région de Chromapolis, alors ça n'a pas dû être facile tous les jours. J'adorerais me poser ici et échanger des anecdotes sur Coralie, mais on n'a pas le temps. Le temps qu'on passe à bavasser et on la passe pas de sa... D'accord, j'ai pas le choix de faire ces deux-là. Bon bah, on va faire le difficile, comme ça après on est tranquille. Franchement, ça me casse les couilles, moi je voulais tellement qu'on... D'accord, étage 9, on va faire le facile et après, combat de boss, j'imagine, on va retrouver Coralie.
Cette fois, la puce chromatique améliore le plafond du combo chance. Mais c'est quoi un combo chance? Si vous liquidez deux ennemis de suite, vous démarrez un combo chance. Plus le combo chance est élevé, plus vous obtiendrez d'objets ou de bombes chance. En gros, on est parti pour liquider en chaîne. Ça tombe bien, c'était justement le programme. C'est quoi ce truc en plein milieu? Quelle est cette merde? Ah, je pense pas que ce soit un ennemi. Touche-le pour voir. Non! Là, c'est pas mal, hein. Et hop! Bah, c'était vraiment le mode difficile, ça. Non, faut pas que je critique, je sais que de toute façon, après, ça va devenir encore plus horrible. J'ai le pressentiment. On a bien grimpé, pas vrai? On doit avoir des puces chromatiques à l'appel maintenant. Regarde par toi-même, tu peux examiner ta palette en appuyant sur croix. Sur X, pardon. 1, 2, 3. Waouh, on en a un paquet! Et en fait, c'est quoi ces histoires de portée de puissance notée à gauche? Il s'agit de teintes des puces chromatiques. Chaque puce a une teinte en fonction de ses effets. Leur couleur et leur motif permet de les distinguer. Les puces chromatiques rouges relèvent de la teinte de puissance. Elles se concentrent sur les dégâts infligés. Un rapide coup d'œil sur ta palette te permettra de voir quelle teinte est majoritaire parmi tes puces chromatiques. Et donc, quelle est ta force principale. Si t'as fini de consulter la palette, mais bien, il est temps de passer à l'étape suivante. Eh ben allez, on va faire un mode facile. Oh, comment ça va être... Oh, on va galérer. Oh, ça va être tellement dur. Clin d'œil. Oh, les fils de pute, ça va vraiment être difficile. C'est pas vrai, on va encore scoltiner ces trucs. J'ai bien peur que c'est aussi, vous allez deux. J'ai bien peur que si. Ça se dit pas. Oh, et puis on s'en fout. La bonne nouvelle, c'est que les boules infinies ne tombent pas en atteignant les bords du stage. Vous pouvez donc les cogner avec leur joie. Cool, t'entends ça, lui? Tu peux y aller à fond. Fais-toi plaisir. La puce chromatique, elle s'appelle esquive d'attaque. Oui, bon, l'esquive, on connaît, hein, c'est... Ouais. Ouais, Ah d'accord, non, ok. Ah, attends, faut qu'on en mette un peu partout là pour bloquer les ennemis. Oh merde. Attendez, hop. Attention les oreilles, le perceur va parler. Ah ok, c'était elle qui le faisait. Je vais taper le jeu. Non, c'est bon, je te tape pas. Waouh! Trop bien. Bon, bah, on est à l'étage 10. C'est trop cool. Attention, on arrive au sommet. On retrouverait Coralie là-haut? Sans doute, mais il y a quelque chose de différent des étages précédents. 8, Perle, faites attention à vous. T'as entendu ça, 8? Hey, t'inquiète pour nous. Ça t'amuse? Non, c'est juste que tu me fais penser à Coralie quand tu dis des trucs comme ça. Et ne perdons pas de temps. On doit retrouver Coralie. Donne tout ce que t'as, 8. C'est le moment. On va se taper un boss, c'est sûr. De toute façon, vu la gueule, si on se tape pas de boss, je comprends pas. Hein.
Ah bah elle est là, Coralie. Et bah alors, meuf, qu'est-ce qui t'arrive? T'as toujours le seum d'avoir perdu. Est-ce que... Oh non. Coralie! Wesh. Ouh, Coralie, elle m'entend pas ou quoi? On dirait pas. Elle est empêtrée dans cette machine bizarre. Ah. Ah, elle est buggée. Intrusion confirmée. Initiation de la déchromatisation. T'inquiète pas, on va te sortir de là. À l'attaque, Luit. Combat de boss et on va tuer Coralie. Vous pensez que si je lui balance une... Coralie Agitando. C'est son nom de famille? Vous pensez que c'est son nom de famille, ce qu'on vient de lire, là? Bon, je vais pas lire ce qu'ils disent, là, je me concentre sur le combat, quand même. Aïe, putain, m'a jeté de la merde à la gueule. Erreur, dysfonctionnement au niveau de la barrière. Ok, maintenant on peut l'attaquer. À nous de jouer, la barrière est désactivée. Lui, il détruit la chose du monde qui l'emprisonne. Ah bah je m'en occupe, hein, peut-être. Oh, elle est cinématique. Coralie. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est classe. Ah, c'est vous, Nuit, Perle? Erreur, déchromatisation interrompue, intrusion contraire à l'ordre confirmé, rebelle repéré. C'est quoi, Charabia? Je suis l'ordre incarné, une conscience générée par les cœurs aspirant à la stabilité. Mon processus de création est achevé, ma conscience n'a plus besoin d'autre. Tout sera converti en souvenir. Wow! Oh, j'aime pas ça. La tour se met à trembler de partout. Ah. Nintendo présente. D'accord, c'est que maintenant que vous nous le mettez. Bon bah. Oh le bordel. Et voilà, le mode roguelite démarre. Maintenant, Splatoon 3. Oh. Tour de l'ordre. Putain. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me hype. Ah bah Perle, t'es revenu normal. Lui, dis-moi que tu n'as rien. Désolé, je trouvais l'image trop classe. Mais elle a retrouvé sa forme normale. Mais du coup, ça veut dire qu'elle était vraiment emprisonnée dans le truc? Et comment ça se fait? Trop de questions. Piou, j'ai eu la frousse, Perle. Lui, t'as repris connaissance. Lui, merci de m'avoir libéré. Ça t'étonne de me voir sous ma vraie forme? Coralie a bidouillé son truc muche et boum, me revoilà. Bon, bah, on a une réponse. Je suis vraiment désolé. C'est le module des jours tragiques au pays de l'ordre qui t'a changé en drone et qui a causé toutes les autres catastrophes. Ce qui veut quand même dire que, évidemment, si
c'était Coralie et donc l'ordre qui aurait gagné au Splatfest final, si c'était Coralie qui avait gagné, le DLC ça aurait été Tour du Chaos. On va dire Tour, comme ça on s'emmerde pas. Mais ça aurait été un délire dans le chaos. D'ailleurs, peut-être que même la map principale de Splatoon 3 aurait été différente. Et l'histoire de Splatoon 3 aurait été différente aussi. Il y a tout qui aurait été différent en vrai, hein, donc c'est énorme. Répète-moi ça, les jours tragiques. Ah oui, je ferais mieux de reprendre du début. Ici, c'est le Poulpiverse. Vous pensez que c'est comme ça qu'ils appellent Splatoon Nintendo, le Poulpeverse? Oh, un prototype d'interface en réalité virtuelle que j'avais conçu. Attends, mais ta réalité virtuelle, on se balade dans ton monde imaginaire depuis le début? C'est ça, la seule chose réelle dans le Poulpiverse, c'est nos esprits. L'espèce de nuage qu'on a croisé, c'était l'ordre. Il a pris le contrôle de mon cerveau et a mis la pagaille dans le Poulpiverse. Il a forcé je ne sais combien de pauvres gens à se connecter au Poulpiverse. Tous leurs esprits y sont maintenant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, je présume. Hate, je suis vraiment désolé, je voulais pas t'entraîner dans cette histoire. C'est bon, on a des problèmes plus urgents sur le feu, comme la façon dont on va traiter la situation actuelle. Bien dit, il faut qu'on s'occupe de l'ordre. L'objectif ultime de l'ordre est la fondation d'un monde d'ordre décoloré. Un monde où toute volonté personnelle serait annihilée. Les gens feraient tout ce qu'on leur dit du matin au soir. Alors, je crois que ça existe déjà, ça s'appelle le monde réel. C'est-à-dire le nôtre. Et osez me dire le contraire. Hein. L'ordre utilise le Poulpiverse pour réaliser son rêve d'un monde où rien ne changerait jamais. Littéralement notre monde à nous. Et peu importe le parti politique auquel vous êtes, vous savez que c'est vrai. C'est quoi son problème avec le changement? Mais attends, je croyais que le Poulpiverse était pas un vrai endroit. Eh, en vrai, en parlant de changement, est-ce que vous pensez pas que à la fin du jeu, éventuellement, on aura un petit bisou Perle Coralie? Ah, si c'est le cas, déjà, Nintendo, respect. Hein. Putain, j'ai envie de me spoiler la fin du jeu. Du coup, même s'il obtient ce qu'il veut dans le Poulpiverse, qu'est-ce que ça peut faire? Ça changerait au monde réel, si? Ah oui, alors en fait, l'ordre utilise ce qu'il appelle la déchromatisation. Putain, les dessins, ils sont stylés! Pour anéantir la volonté de tous ceux qui sont piégés ici. Donc si quelqu'un subit la déchromatisation dans le Poulpiverse, cette personne sera également altérée dans le monde réel, c'est bien ça? Oui. Oui, quiconque subit la déchromatisation perdra progressivement toute volonté propre dans la vraie vie. Et l'ordre n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, il veut attirer plus de victimes dans le Poulpiverse. Si on le laisse faire, il n'y aura plus personne avec un semblant de volonté dans le monde entier. La vie telle qu'on la connaît sera de l'histoire ancienne. Non, t'inquiète, hein, viens dans notre monde, Coralie, tu verras que c'est déjà arrivé. Je sais pas à cause de quel connard dans notre planète, mais c'est déjà arrivé. Et encore, je dis connard en étant gentil. Hein. Ouais, j'avoue que ça craint un max, on te laissera pas faire l'ordre. Encore une fois, je suis vraiment désolé, tout ça c'est de ma faute. En vrai, est-ce que le DLC ça veut pas dire que l'ordre c'est de la merde? Nintendo, vous êtes des anarchistes? Oh, je vous pensais pas comme ça, je suis déçu, hein. Oh là là, Nintendo, faites faillite. Non, de toute façon, même si on le souhaite, ils feront jamais faillite, ils sont beaucoup trop puissants. Non, je te laisserai pas dire ça, t'avais de très bonnes raisons de créer le Poulpiverse. Ce cinglé d'ordre va regretter d'avoir piraté ton logiciel. Déjà, comment il a pu le pirater? On va lui faire avaler ses processeurs à cette merde. Ah, ma petite perle, j'adore quand tu dis des trucs comme ça. Sincèrement, osez me dire que Nintendo ne veulent pas rendre un chip Perle Coralie canon. Osez le dire. Il y a des gens qui disaient ça pour Ayo et Oli, mais bon, elles sont cousines, donc c'est plutôt dégueulasse. Mais Perle et Coralie, c'est littéralement des potes, donc c'est possible. Et hop. D'accord. Parfait, te fais pas de soucis, lui. Ta copine Perle est là pour assurer tes arrières. Et maintenant, place au show. Ouais, on peut faire une photo. Attends, mais du coup, il n'y a pas de truc pour les amiibo, c'est dommage. Je jure que j'aurais fait une coupure juste pour ça, en vrai. Wesh. Ah. Bon, on va fouiller quand même quelques trucs, parce que ça m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 secrets random foirés. Ça va, monsieur? C'est censé être quoi, cette merde? Oh, regardez, un enfant coincé. Chais.
Bon. Ah oui, les magasins qui sont, bah, morts. Du coup. Encore des gosses, comme d'hab. Hey, eh, lui, t'as une seconde? Fais chier. Bon, c'est pas plus mal. Je fais quelques scans, visiblement, l'ordre a relevé le niveau de menace à l'intérieur de la tour à son niveau maximal. Tu vas en chier. Pourquoi il a fait ça? Et qu'est-ce que ça change pour nous? Déjà, la tour a subitement grandi, mais c'est pas le c'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'il suffit d'une erreur pour se retrouver au niveau... à nouveau au pied de la tour, ce qui risque fort d'arriver, vu que les ennemis sont devenus plus puissants. Vous allez en chier. Ouais, c'est la galère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la base, c'est moi qui contrôle le poulpe vert, du coup, je peux agir. Maintenant que je suis plus coincé là-haut, je peux hacker le système, écraser les modifications et baisser la difficulté. Sérieux, tu peux faire ça? Eh ben, je regrette pas de t'avoir sauvé. Ça se dit pas. Par contre, je vais avoir besoin de péperles. Ah, les fameuses. Pour hacker le système. Mais tu devrais déjà en avoir un peu, non? 50. Voilà, ces péperles ont été générées à ta sortie de la tour. À chaque fois que tu reviens ici, tes plus chromatiques et tes poulpèzes sont convertis en péperles. C'est nul. Donc pour résumer, on va sans doute s'en prendre plein la face dans la tour, mais pour qu'on aligne quelques affreux avant, on gagnera plus de péperles. Péperles grâce auxquelles Coralie usera de ses techniques pour nous faciliter la tasse à l'ascension suivante, alors même quand on perd, on y gagne. Cool. C'est vrai que c'est cool. Voilà les parties du code que j'ai déjà réussi à hacker. Ça vous dit que j'ajoute un paramètre ou deux pour vous filer un coup de main? Oui. Ah, protection contre les dégâts, armure max, bon armes. Quoi? En tout cas, pas de... Ah, drone perle. Ah, intéressant. Jauge d'ancrage, mine du drone. Ah, il n'y a pas énormément de trucs, merde. Ah, je suis un peu déçu. Vas-y, hein. Et hop, tu as besoin d'une experte en hacking. Allez, hop. Et hop, on a un truc en entier. Même pour toi, ça sera pas simple d'atteindre le sommet 8. Mais j'ai quelques hacks pour t'aider. Je peux rien faire de plus de là où je suis. Ça doit te terrasser l'ordre. Encore une chose. Tiens, 8, c'est une palette. Palette de père, de Coralie, pardon. Appuie sur plus pour changer de palette et essayer d'autres armes. Alors, je pourrais, oui, mais non. Le truc dans lequel on insère les puces chromatiques, je savais pas que t'en avais une. Si tu installes cette palette sur ton drone, enfin sur Perle, tu pourras utiliser une nouvelle arme. J'ai un peu potassé le sujet et il semble que ce soit pas la seule autre palette du poulpe vert. 3-4. J'ai passé un scan sur les casiers là-bas et je crois qu'ils contiennent des palettes. Quand vous m'avez sauvé, j'ai récupéré des clés pour en ouvrir quelques-uns. Prends les 8. Waouh! Par contre, tu pourras pas changer de palette en cours d'ascension. Si tu veux en utiliser une autre, pense à appuyer sur plus avant de prendre l'ascenseur. Waouh! Ah. Tiens, c'est quoi ça? Oh, Coralie, c'est ton journal. Tu le gardes pas bien proche à la peau des regards. On dirait bien que non. Oh, bah en fait, j'imagine que ça devait arriver. C'est un peu embarrassant, mais puisqu'il est là, si vous voulez le lire, je suis d'accord. Tu es sûr? 8, à toi de voir si tu veux lire le journal de Coralie, tu le trouveras dans le... Vous vous attendiez vraiment à ce que je le lise pas? Eh, je suis une putain de commère. Oh! Ils ont refait Instagram! Littéralement, c'est Instagram, là, la référence. Hein. Ultime... Il y a plus de 4 ans. Attends. Bah ouais, c'est arrivé en 2019, donc ouais, il y a plus de 4 ans. Presque 5. L'ultime festival est terminé, nous avons perdu Stéry pour l'équipe de l'ordre, ils se sont bien... Voilà, vous voyez. Donc si on aurait eu un délire de... c'est l'ordre qui a gagné et... Oh putain, c'est trop beau. Que c'est l'ordre qui a gagné et le chaos qui a perdu, on aurait eu le même délire. Mais peut-être pas avec la technologie, faut pas déconner. On aurait peut-être eu un délire à la Mad Max au pire. Mais à la fin du festival, Perle a déclaré « La scène est à nous !» C'est pile ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai hâte qu'on soit au monde en... qu'on montre au monde entier qui sont les tentacules. Je ne me suis pas senti aussi motivé depuis que j'assistais à ce fameux combat juste avant que j'arrive au squad Chromapolis. Si les tentacules partent en tournée mondiale, mon planning va être dingo. Va falloir programmer les dates, engager une équipe et créer une nouvelle saison. Ah, je sais pas ce que je ferai sans Perle. Oda, Perle ou Zuki. D'accord, donc on connaît le nom de famille de Perle maintenant.
Père Luzuki. Bon, bah, vous pouvez pas nous faire un petit délire de... Ah, oh, ils sont peut-être européens, américains. Non, c'est japonais. Enfin, je comprends, hein, Nintendo, c'est japonais. Mais bon, quand t'as un personnage qui s'appelle Perle, en général, la personne n'est pas très japonaise. Hein, ni... elle est pas du tout d'Asie, même. Elle est occidentale. Quand je me sentais désemparé et perdu pour avoir déserté l'armée octarienne, c'est Perle qui a su me redonner espoir. Ensemble, on a formé les tentacules et depuis, je me pince tous les jours pour être sûr que je rêve pas. Sniff. Ah, oh, saleté de poussière dans l'œil. J'ai craché partout sur ma suite, c'est dégueulasse. Bon, j'ai versé ma larmichette. Je vais mieux maintenant. Pourtant, je dois pas oublier ma priorité numéro 1 qui a rien à voir avec notre tournée mondiale, mais on n'est pas moins important. Projet Poulpiverse, non provisoire. En vrai, vous imaginez le projet Poulpiverse? Ça va être un délire. Genre, ça va vraiment être un futur jeu de Nintendo en mode. Ça va être le Battle Royale de Nintendo dans l'univers de Splatoon. Moi, de toute façon, ce que j'espérais à l'époque pour Splatoon 3, c'est qu'on ait un mode Battle Royale. Mais si le projet Poulpiverse, c'est ça. Imaginez. Oh la dinguerie que ça sera. Je travaille là-dessus afin d'aider numéro 8 et tous ceux auxquels Patapoule PSI. Oh, c'est vieux ça, son épris. C'est un projet de la plus haute importance. Waouh! Bah, bah, allez, hein! Après, c'est un peu con de me mettre ça alors que je joue plus du tout en ligne, tellement bah. Donc voilà, Coralie s'appelle Agitando et Perle s'appelle Uzuki. Mais Ayo et Oli, on sait pas c'est quoi leur prénom. Pasquale, Angie, Rémi. Eux aussi, on sait pas c'est quoi leur nom de famille, donc c'est relou, c'est chiant. D'accord, c'est bizarre. Ouh, il y aura des milliards de théories à faire sur Internet. Ah, des pépères. Historique, bah non. Et ça non plus. Allez, on ouvre les deux derniers. Hein. Waouh. Tiens, une bannière. Il range vraiment n'importe quoi là-dedans. Il nous reste des clés, lui. Palette de numéro 4. Ah bah du perso de Splatoon 2. Parce que là on est numéro 8. Donc le personnage du DLC de Splatoon 2. C'est compliqué, je sais. Qu'est-ce que la palette de numéro 4? Ah oui, numéro 4. C'était qui déjà? Bah oui, eux ils savent pas. Numéro 4 faisait partie de l'escadron Espadon nouvelle version. Tu sais, l'équipe de l'amiral Macalamar. Ah ouais, c'était censé être une star toute catégorie, je me souviens bien. Mais que fait sa palette ici? Techniquement, les palettes sont des représentations d'une partie de l'âme de leur propriétaire. Visiblement, l'ordre a réussi à s'emparer d'une partie de l'âme de numéro 4 et l'a insufflée dans le Poulpiverse en la transformant en palette au passage. Sérieux? On ferait mieux de pas la paumer alors, ce serait moche qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Et c'est pas fini, je reçois encore des signaux d'autres palettes dans les casiers. On doit trouver encore plus de clés. Je me demande les clés, est-ce que ça va être un objectif secondaire? Est-ce que... Je sais pas. Ok, non, je pensais que ça aurait été un délire de nous donner un peu d'histoire, mais non. Bah, on va parler à elle. Voilà. C'est quand même sympa d'avoir plus de vie, on va pas se mentir. Eh bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo, du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupas, et puis à très vite pour la suite de Splatoon 3, Tour de l'Ordre. Au revoir tout le monde.